by the great wizard of the new world. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. Flying is perhaps the most dramatic of recent scientific attainments. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Combien de fois par le passé a-t-on dit « c'est impossible » pour découvrir ensuite que quelqu'un a réussi à accomplir la chose qui semblait impossible. Ces percées monumentales bouleversent les idées et les actions de la génération suivante et même au-delà. Un basculement en communication, en moyens de transport, en technologie. Un basculement pour l'humanité. Vous allez découvrir une percée scientifique incroyable qui affecte presque tous les domaines de la science de la santé et du bien-être. Cette découverte pourrait propulser certaines des avancées les plus importantes du domaine de la santé jamais vues. Cette percée s'appelle ACEA, la clé pour vivre plus jeune, plus longtemps. La cellule est l'unité de base de tout organisme, le bloc de construction de la vie. Il n'est donc pas surprenant qu'une bonne santé commence au niveau des cellules. Un cœur sain exige des cellules cardiaques saines, des poumons sains exigent de bonnes cellules pulmonaires, les muscles. Bon, vous voyez. Nos cellules vivent et meurent constamment. Le problème, c'est que nos cellules sont endommagées par les rayons du soleil, l'exercice, une mauvaise alimentation, le stress, les maladies. Heureusement, vos cellules sont de petites machines incroyables capable de se réparer toute seule. En fait, votre corps se répare constamment, ou en d'autres termes, il répare et remplace ses cellules. Et les plus importants outils de réparation de vos cellules sont les molécules de signalisation redox. Les molécules de signalisation redox sont absolument essentielles pour la santé de vos cellules et de votre corps. Elles jouent un rôle clé dans les fonctions vitales de protection, détection, réparation et remplacement. Quelle est l'importance de ces molécules? Si vos 75 trillions de cellules arrêtaient soudainement de produire ces molécules, vous ne vivriez pas jusqu'à la fin de cette présentation. Plus de vie sans les molécules de signalisation redox. Quand nous sommes jeunes, notre corps produit beaucoup de ces merveilleuses molécules. C'est pourquoi les enfants s'activent toute la journée sans avoir de courbatures le lendemain. Mais en passant à l'adolescence, nos corps créent de moins en moins de ces molécules de signalisation redox. Avec l'âge et d'autres facteurs comme les conditions environnementales, l'alimentation et le stress, nos cellules limitent la production de ces molécules vitales. Des scientifiques ont découvert un lien entre la santé, le vieillissement et les molécules de signalisation redox. Sans un apport constant et équilibré de ces molécules, nous vieillissons, faiblissons et devenons fragiles. Même si vous êtes en parfaite santé, vous perdez constamment la capacité de produire ces molécules. Et comme elles sont la clé de la santé et de la réparation des cellules, chaque jour, alors que nous perdons de telles molécules, notre santé devient plus fragile. Donc, d'un côté, nous connaissons le pouvoir de ces incroyables molécules sur la santé de notre corps. Mais d'un autre côté, nous savons que nos cellules perdent de jour en jour la capacité de les produire. Sans un moyen d'accroître naturellement la production de molécules de signalisation redox, nous voilà dans une impasse. Il ne nous reste plus qu'à gérer le vieillissement et la mauvaise santé à l'ancienne. Traiter les symptômes. Une pilule ici, un jus là, sans jamais traiter le problème de santé et régénération des cellules. Imaginons un instant qu'il soit possible de restituer nos molécules de signalisation redox en déclin. Quelle serait la signification pour le monde? Quel sera l'impact sur la santé de millions de personnes? Serait-ce un basculement pour les sciences et la santé? Pour l'humanité? La capacité d'augmenter et restituer ces molécules serait une percée de proportions énormes. Les scientifiques connaissent les molécules de signalisation redox, mais les reproduire hors des cellules humaines de manière stable et équilibrée semblait impossible. Mais bien sûr, pour accomplir l'impossible, il faut du dévouement, des efforts et de l'intuition. La percée redox résulte de la combinaison de deux domaines scientifiques,
Des scientifiques étudient la signalisation redox dans le corps humain depuis une décennie. Mais bien avant cela, un autre groupe de techniciens avait déjà créé quelque chose de remarquable. Un moyen de réarranger la structure moléculaire d'une simple solution saline. La nouvelle solution semblait extrêmement bénéfique pour la santé, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et il y avait un autre problème. Les molécules ne restaient réarrangées que pendant quelques minutes, puis redevenaient de l'eau salée. Puis, il y eut une percée. Les mondes de la recherche redox et de la restructuration moléculaire ont été combinés. Et ce, grâce à une équipe de scientifiques dirigée par un physicien médical atomique, le Dr. Gary L. Samuelson. Cette équipe a réalisé que les techniciens étaient en train de créer des molécules de signalisation redox, un fait qu'on pensait auparavant impossible. Grâce à deux décennies de recherche et des millions de dollars, l'équipe du Dr. Samuelson, qui a travaillé sans relâche, est arrivée à une découverte phénoménale que beaucoup de gens dans les communautés médicales et scientifiques appellent la percée en science de la santé la plus importante de notre vie. Ce processus breveté et innovant compte trois étapes. D'abord, du sel fin est mélangé à de l'eau ultra pure afin de créer une solution saline limpide. Ensuite, les liaisons de ces molécules sont rompues pour laisser des atomes flottants. Enfin, ces atomes sont recombinés pour former de nouvelles molécules, des molécules de signalisation redox stables et durables. Comme celles produites dans les cellules du corps humain. Aujourd'hui, ces molécules de signalisation redox stabilisées s'appellent ACA. ACA est le seul produit au monde qui contient cet ensemble équilibré de molécules de signalisation redox. Aucun jus, shake, pilule ni supplément ne peut revendiquer cet avantage. ACA est le premier et unique supplément de signalisation redox au monde. Et les résultats de ce produit innovant ont surpassé les attentes les plus optimistes. Les professionnels de la santé remarquent une incroyable amélioration dans la santé de leurs patients lorsqu'ils utilisent ces molécules comme supplément. De plus en plus de scientifiques étudient la signalisation redox avec sa propre revue à comité de lecture, nombre de livres scolaires et plus de 100 articles scientifiques chaque mois. ACA affecte même le monde du sport, où des athlètes de haut niveau découvrent une endurance améliorée et un temps de récupération réduit grâce aux molécules de signalisation redox. Et bien sûr, des dizaines de milliers de personnes ordinaires s'enthousiasment en découvrant ce que peuvent faire les incroyables petites molécules d'ACA pour leur corps. Les défis auxquels les gens font face depuis des années ont disparu. Rien n'apporte plus de bonheur que de se sentir au top de sa forme et d'avoir des cellules qui fonctionnent comme dans votre jeunesse. I've had sleep issues for years. I started sleeping deeper at night. Just the other night, I told my husband, I sleep like I did when I was 4 years old. And sleep is such a blessing. All of a sudden, my workouts, again, truly, I couldn't go far enough, fast enough, long enough. And there was no fatigue afterwards. I wanted to go back in and work out more. All the things that I have, I think ACEA would be the last one that I would ever want to get rid of because it keeps me healthy. And I enjoy it. And I like good health because I want to live to see 100. My mom's very healthy. She's got great genes. My dad, on the other hand, had struggled his whole life with different health issues and died at a young age. I don't know which of those genes I'm going to get, but I'm not going to take a risk not taking care of myself. You know, I think a lot of people have fallen into the trap and thinking that their health is their doctor's responsibility or their government's responsibility. And the truth is, it's our responsibility. It has to start with us. And I can't think of a better way to take back responsibility for your own health than with ACEA. Les humains ont tendance à dire que certaines choses sont impossibles. Heureusement, la science a tendance à les contredire. ACA, c'est l'impossible rendu possible. Le premier et unique supplément au monde qui restitue les molécules de signalisation redox à votre corps. ACA a bouleversé la science de la santé et bientôt des millions de personnes l'utiliseront, affectant enfin toute l'humanité. Prenez de ces molécules.
Découvrez ce que les scientifiques, professionnels de la santé, athlètes et bien d'autres savent déjà. ACA est la plus importante percée de notre génération, la clé pour vivre plus jeune, plus longtemps.